La musique vient de lui et la musique est aussi sacrée. Tout comme Dieu a créé 7 jours de la semaine, il y en a 7 notes de la musique. Il y a 12 mois de l'année, il y a 12 demi-tons dans la musique. Nous voulons donc, à travers la musique que vous allez écouter ce soir, que nous puissions bénir le nom de notre Dieu créateur. Pour ce faire, nous allons tous, d'un seul cœur, nous mettre debout pour chanter les belles paroles du cantique trouvé au numéro 157. Et après quoi, pasteur Daniel Razakaria va prononcer une prière de circonstance pour nous pour débuter le programme. Ainsi donc, bienvenue à chacun de vous et bonne participation. Nous debout. Amen.
Dieu, notre Père céleste, tu as été bon pour nous. Tu nous as permis de passer en bien cette journée de sabbat et tu nous fais entrer dans cette nouvelle semaine, dans ton temple, pour continuer nos louanges, pour continuer notre adoration. Et nous te prions, Seigneur, d'être au milieu de nous, de nous inspirer, et que nos chants, notre musique, soient comme une odeur agréable devant le trône de ta grâce, et que nous soyons tous édifiés, et que nous soyons tous approchés, que nous puissions tous nous rapprocher de toi, et que toute gloire et tout honneur te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Alors, comme dit l'adage, nul n'est censé ignorer la loi. Mais il devait être communiqué quelque part. Alors ce soir, je tiens à vous communiquer quelques conseils d'ordre logistique. Premièrement, pour permettre à tout le monde de s'asseoir convenablement, il est prié de déposer vos manteaux au sous-sol dans le vestiaire. Deuxièmement, pour les personnes accompagnées des jeunes enfants, il y a un service de garde animé par des personnes dédiées à cette tâche. Troisièmement, pour bien déguster chaque pièce, un silence absolu est demandé au moment de l'exécution. Alors, quatrièmement, tout de suite après le concert, il y a une soirée fritaille que la commission de rénovation de l'église, c'est pour une levée de fonds. Alors vous êtes tous priés à y être après ce beau concert. En route vers l'espérance, tel est le thème de ce concert. Mais il a été choisi un homme, un personnage choisi sur le volet pour animer ce concert, car le titre nous indique « En route vers l'espérance » à travers des chants. Et vous allez voir, et l'animateur également va vous conduire en cette route que nous devons tous préparer sur la terre. Bonne audition. Dans un monde qui a été créé par des mots et qui est maintenu par la parole, qui est gouverné par des mots. Les mots sont donc les ingrédients indispensables dans la construction ou dans la destruction de toute chose. La ville s'élève par les mots de bénédiction des justes, mais elle est renversée par les mots de malédiction des méchants, nous dit la parole. Mesdames et messieurs, ce soir, le chœur de Saint-Léonard a choisi des mots pour construire un beau bouquet d'adoration et d'action de grâce pour présenter au Seigneur des Seigneurs, au Roi des Rois, notre Père qui est dans les cieux. Il utilisera bien sûr la musique vocale et instrumentale comme véhicule pour transporter ce bouquet jusqu'au trône de la grâce. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. De grandes choses se passent lorsque nous déclarons sans cesse
la bonté et la miséricorde de notre Dieu. Notre foi jaillit en nous et la réalité que Dieu nous aime se met à chanter par notre esprit. Mesdames et messieurs, le cœur va exécuter son premier morceau. Le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse espérance, la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Ce mystère, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et cette espérance est ce verbe égal à Dieu, qui n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur et devient notre unique espérance. Mesdames et messieurs, apprécions le cœur de Saint Léonard.
gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de sa main. Ce soir, nous sommes en train de faire un voyage ensemble en route vers l'espérance. Dieu est le créateur de toutes choses. Et ce soir, nous allons ensemble, avec le cœur de Saint-Léonard, unir nos cœurs pour chanter les merveilles de la création du Seigneur.
dit Amen, on accepte ce qui est dit et on donne son accord. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à un autre point dans ce programme où nous allons, avec le cœur de Sir Léonard, rendre gloire à l'Éternel. Ce Dieu qui a créé le ciel, qui a créé la terre, qui a créé toutes choses, mérite de recevoir honneur, gloire au siècle des siècles. Amen. Le psalmiste dit, je chanterai l'Éternel, je célébrerai son nom de tout mon cœur, je redirai toutes les merveilles de l'Éternel et je me réjouirai en toi, j'exulterai, je psalmodierai en l'honneur de l'Éternel, car il est notre Dieu. Glorieux est ton nom, ô Jérusalem. Oh, dear.
Nous avons fait déjà un bon chemin ensemble. Et nous nous retrouvons maintenant à près de 2000 ans. Dieu avait créé le ciel et la terre. Il avait créé l'homme pour vivre heureux sur cette terre. Et il a placé l'homme comme les gérants de la terre. Il a donné la domination sur toutes les œuvres de ses mains. Mais l'homme a fait un mauvais choix. Il a choisi de désobéir à la parole de Dieu. Et en désobéissant à la parole de Dieu, l'homme est devenu esclave d'un ennemi de Dieu. Et cet ennemi va transférer tout ce qui était bon en mauvais. La bénédiction deviendra la malédiction. La santé deviendra la maladie. La richesse et l'abondance se transformera en la pauvreté. Mais Dieu a tant aimé le monde. Il ne peut pas continuer à voir cette créature, l'homme, vivre dans cet état. Et alors, il a décidé de venir sur la terre en la personne de Jésus-Christ. Et quand nous parlons de la présence de Jésus sur la terre, nous parlons de l'amour de Dieu. Et nous disons, voyez quel amour le Père nous a témoigné quand il est venu lui-même par Jésus pour prendre notre place et racheter l'homme de la malédiction de la loi. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la deuxième partie de ce concert où le cœur va chanter l'amour de Dieu. Quand on chante l'amour de Dieu, on traduit tout ce sacrifice que Jésus a fait. Et le groupe nous présentera aussi Jésus à Jérusalem. Sur les rameaux, sur nos chemins, se trouvent des rameaux où le roi des rois, sur un anneau, va faire sa rentrée triomphale pour aller se diriger vers la croix. Mesdames et messieurs, avec vous, pour la deuxième partie de ce concert, le cœur de Saint-Léonard. Thank you.
La parole de Dieu dit, si les forces du mal avaient la sagesse, ils n'auraient pas crucifié le roi de gloire. Car en crucifiant le roi de gloire, ils ont aussi été dépouillés de toute autorité. Car Jésus a brisé la tête du serpent par sa victoire sur la croix. Amen. Mesdames et messieurs, alors que nous venons de faire ce long voyage vers Jérusalem où Jésus est allé sur la croix, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus n'est pas resté sur la croix. Je vais reprendre. Je dis une bonne nouvelle. Je dis une bonne nouvelle. Hein. Jésus n'est pas resté sur la croix. Amen. Il est ressuscité. Et ce Jésus qui est ressuscité a fait de nous des enfants de lumière. Par conséquent, nous n'avons plus à avoir peur de ce monde de ténèbres parce que nous marchons dans la lumière. Nous sommes des enfants de lumière. Et je vais vous dire comment vous pouvez rendre le diable dans un état de dépression constante. C'est ce que le groupe va chanter tantôt. Quand vous voyez les problèmes, quand vous voyez les difficultés, quand vous voyez des péripéties partout, dites Alléluia. Amen. Quand vous dites Alléluia, au milieu des problèmes, Satan est déprimé. Je ne comprends pas ce peuple. Ce peuple a des problèmes, voilà, il chante Alléluia. Mais quand nous chantons Alléluia, qu'est-ce que nous faisons? Nous donnons libre cours à Dieu pour travailler dans nos affaires. Amen. Mesdames et messieurs, la troisième partie de ce concert arrive. Le chœur va chanter ce que nous sommes devenus, des enfants de lumière. Et ensuite, avec ce chœur, nous allons rendre Satan dans un état de dépression constante parce qu'ils vont exécuter Alléluia, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Amen.
l'obésité spirituelle. Le temps est accompli et le grand jour est là, où les prédictions, les promesses se dévoilent. La nuit sur les esprits confus étend ses voiles, la vérité trébuche et la raison s'en va. Le mal, ce grand triomphateur s'impose et s'exerce. Le sage perd sa sagesse, le vieillard sa lumière. Pas même une étoile dans le ciel de l'humanité pour dissiper la nuit, répandre la clarté. Le monde en détresse se demande l'un à l'autre. Serait-ce bien le temps prédit par les apôtres? C'est bien le temps où le mal bat son plein? La coupe d'iniquité regorge de son vin? On s'assoupit partout dans une ruse infernale? L'œil s'est un peu senti par le sommeil du mal? L'abomination de la désolation s'établit en lieu saint, règne la corruption. Il fait nuit, tout s'endort. Oui, il fait nuit. Une voix crie, c'est l'heure de la fuite, fuyez. Le grand jour approche, sauvez-vous, échappez, car Jésus revient. Échapper. Hélas, malheureusement, on est lourd par le sommeil. On est enceinte à l'heure du réveil. L'Église est enceinte. Les hommes sont enceintes. Les femmes sont enceintes. L'Église est enceinte. Les dirigeants sont enceintes. Les dirigés sont enceintes. L'embonpoint, l'obésité atteint les chrétiens. Oui, l'Église est enceinte de plusieurs années, portant dans ses entrailles de nombreux bébés. Enceinte d'égoïsme et de présomption, enceinte de vice et de péché mignon, obèse de rancune et d'hypocrisie, enceinte d'envie et de jalousie, enceinte de traîtrise et d'animosité, obèse d'apparence de fausse piété, enflée d'orgueil, de haine et de colère, remplie de mauvais traits de caractère, avide de plaisir, d'ivresse et de passion, sans sensibilité d'esprit de pardon, dépourvu de philanthropie et d'altruisme, répondant partout un faux christianisme. Malheur aux hommes qui sont enceintes. Malheur aux femmes qui sont enceintes. Malheur aux femmes qui sont enceintes. Malheur aux femmes qui la allaiteront. Malheur à vous qui portez dans vos seins, qui portez dans votre cœur. Siège de lumière, siège de sainteté, siège du Saint-Esprit, un lait adultère pour nourrir Satan, le fortifiant, le cajolant et l'allaitant. C'est l'heure de la fuite, chrétien, fuyez. Le grand jour approche, sauvez-vous, échappez-vous, mais ne soyez pas enceinte. Ne soyez pas obèse, ne soyez pas dans l'embonpoint, mais soyez enceinte de foi. Soyez remplie de foi. Soyez remplie d'obésité, d'espérance. Soyez remplie d'amour. Soyez remplie du Saint-Esprit.
Chers amis, bonsoir. Chers amis, bonsoir. Ce soir, je me propose de vous apprendre le refrain d'un chant intitulé « Nous marchons vers Sion ». Et au signal donné, lors du dernier chant, je vais vous inviter à chanter avec nous. Nous marchons vers Sion. Demandons de projeter pour nous les refrains, Frère Costel. À défaut de projeter pour nous, le chant se trouve au verso de votre feuille de programmation. Parce que nous sommes en route vers l'espérance qui va nous conduire jusque dans l'éternité, jusqu'à la cité sainte.
Mesdames et messieurs, nous avions devant nous le Père et le Fils, le professeur et l'élève. Et le Seigneur me dit quelque chose quand je regarde ça là ce soir. Regardez ce que le Fils a fait. Le Fils a fait exactement ce que le Père fait. Et le Seigneur Jésus dit, ceux qui croient en moi feront eux aussi les œuvres que moi je fais. Amen. Mesdames et messieurs, voilà ce que Dieu veut. Et voilà pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Pour que nous puissions faire exactement comme le Fils ce que le Père fait. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir à nouveau ce grand. Et voilà, c'est ce qui introduit la quatrième partie de notre voyage ce soir. Et nous allons avec les voyants de la Bible nous diriger vers Jérusalem, la Jérusalem céleste. Et là, nous allons voir sur le trône celui qui est assis. Et celui-là, il mérite de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté au siècle des siècles. Et l'apôtre Jean a vu que celui qui est assis sur le trône reviendra bientôt. Et Christ va venir. Il va bientôt venir, mais pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour prendre ceux qui l'attendaient. Et quand il a pris ses enfants, il va se diriger avec eux vers la Jérusalem, la cité de Dieu. Mesdames et messieurs, avant de laisser le cœur de Saint-Léonard exécuter ces trois morceaux à celui qui est assis sur le trône, je vais vous donner un verset que vous devez retenir et l'appliquer dans votre vie. Même quand ce n'est pas maintenant, ce serait idéal si c'est maintenant que vous le faites. Mais vous devez le faire dans votre vie. Parce que ce verset vous garantit une place dans cette cité que Jésus est allé préparer pour nous. Romains chapitre 10, versets 9 et 10, nous lisons, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur. Mesdames et messieurs, voilà ce qu'il faut faire dans cette vie. Quand Jésus n'est pas notre Seigneur, alors tout le poids est sur notre dos. Mais quand nous confessons que lui, il est le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il avance. Et il dépose son dos et il nous dit, déposez sur mon dos tous vos soucis, car moi-même, je prends soin de vous. Amen. Rappelez-vous bien de ceci. Il faut le confesser de la bouche, parce que si vous ne dites pas devant l'autel, oui, je le veux, il n'y a pas de mariage. C'est pourquoi la Bible dit, vous devez confesser de votre bouche. Quand vous avez cru dans votre cœur, maintenant vous confessez de votre bouche que Jésus est Seigneur. Avec vous maintenant, mesdames et messieurs, le cœur de Saint-Léonard à celui qui sied sur le trône. Christ va bientôt venir et Jérusalem, cité.
Et les enfants, et les lignes de ressort.
J'ai le privilège de vous annoncer, mesdames et messieurs, que nous sommes arrivés à la fin de ce concert. Et je dis que c'est un privilège pour moi parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous à la fin. Cette bonne nouvelle, c'est que bientôt, quand nous arrivons au ciel, nous allons assister à quelque chose. Tout l'univers réuni fera silence pour écouter Dieu, notre Père, chanter lui-même. Pourquoi je peux dire ça? Parce que Sophonie, chapitre 3, verset 17, me dit que Dieu sait chanter. Voilà pourquoi, quand nous sommes en joie, nous chantons. Nous prenons ça de notre Père, lui, qui quand il est en joie, le texte je lis, l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour pour toi. Il aura pour toi une triomphante allégresse. Cette expression, c'est ce qui traduit en hébreu « chanter ». Quand nous chantons, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons monter cette allégresse, cette triomphante allégresse vers notre Père. Mais regardez quelque chose. Dieu, quand il est en joie pour nous regarder. Quand il voit ses enfants qui chantent, qui sont heureux, qui sont toujours en paix. Et il y a pour lui, en lui, pour nous, une triomphante allégresse. Ça nous permet de comprendre quand la Bible dit que Jésus a méprisé l'ignominie. Il a méprisé la honte parce qu'il a regardé la joie qui est devant lui de voir tous ses enfants un jour réunis ensemble sur la mer de verre. Mesdames et messieurs, arrivés à la fin de ce concert, le groupe va nous interpréter un chant. Sur tes murs, j'ai placé des gardes au Jérusalem. Ces gardes sont là pour faire quoi? Pour empêcher à la maladie d'entrer dans l'église. Pour empêcher à la pauvreté d'entrer à l'église. Pour empêcher à la dépression d'entrer à l'église. Parce que l'église doit être une église triomphante, une église sans tache, une église sans rite, ni rien de semblable. C'est cette église triomphante que Jésus reviendra chercher. Et alors que les gardes sont là, mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons? Nous marchons vers Sion. Et c'est avec ce cantique que tous ensemble, avec le cœur de Saint Léonard, alors que les gardes sont là, les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent pour les arracher de tout danger. Les gardes sont là, mais nous-mêmes, avec le cœur, nous marchons, et nous allons rencontrer notre Père qui va exprimer sa joie quand il rencontrera tous ses enfants. Amen. Jean-Marie.
peu plus fort, s'il vous plaît. Tu peux augmenter un peu le volume du micro de loco. Grand bruit.
et frères. Quel magnifique concert! Amen! Vos applaudissements nous disent que vous avez apprécié le programme. Est-ce vrai? Amen. Est-ce que votre âme a été bénie? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je demande à nos amis visiteurs de l'Adventiste de se mettre debout, s'il vous plaît. Les visiteurs de l'Adventiste, mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Votre présence parmi nous nous fait chaud au cœur. Et ici, c'est le temple du Seigneur. À chaque fois que vous sentez le désir de venir adorer votre Dieu, les portes de l'église seront largement ouvertes pour vous accueillir. Et le mercredi soir, nous sommes là, 19h30. Et le samedi matin, nous sommes là, à 9h15. Nous attendons et venez adorer le Seigneur avec nous. Nous remercions nos soeurs et frères, les églises sœurs de Montréal et ses environs. Votre présence parmi nous, nous l'avons appréciée grandement. Nous apprécions nos hôtesses qui ont fait un travail impeccable à l'accueil. Chers sœurs, merci beaucoup. Le Seigneur est avec nous. Nous remercions pasteur Daniel Gazakarian, responsable de la musique et de l'adoration à la Fédération de la 27e jour du Québec. Pasteur, votre présence parmi nous est toujours bien. Nous remercions pasteur Bernard Jean-Charles dans toutes ces séquences de méditation et nous avons entendu la voix du Seigneur nous parler. Amen. Nous remercions nos musiciennes et nos musiciens. Volonté et 25% compétences musicales.
n'y a pas de musique du tout en moi. Mais l'audace et la volonté m'ont permis d'avancer. Hormis l'audace, j'ai un ami ce soir que je ne peux laisser présenter comme juste les musiciens, car son aide est inestimable. Il s'agit de Lucas Destruy. Merci.
avant la prière du pasteur de l'église, Joseph Élisée Philippe, j'ai un rappel à vous faire. Venant du ministère des hommes de l'église, soirée culturelle en l'honneur des femmes et des filles de Saint-Léonard. Nos femmes, nos filles seront à l'honneur. À l'adresse suivante, 6970 rue Marquette, 19h30, samedi 28 novembre. Gratuit pour toutes les femmes et toutes les filles. Toutes les femmes, toutes les filles, vous êtes invitées à être à cette adresse le samedi 28 novembre, 6970 rue Marquette. Vous serez honorés par les hommes de l'église. Mettez-vous debout et puis avec le pasteur Joseph Élisée Philippe. Fermons les yeux pour la prière. Notre Père et notre Dieu, après avoir été témoin de ce concert extraordinaire auquel nous venons d'assister, nous n'avons que des mots de remerciement à t'adresser. Que ton nom soit béni, loué, exalté, salué d'éternité en éternité. Tu es grand et devant l'immensité de ton amour, nous n'avons que des mots de remerciement à t'adresser ce soir. Merci Seigneur de ce que tu t'es manifesté visiblement à travers ce concert. Merci pour les talents, les dons que tu as donnés à tes enfants, pour l'inspiration que tu as donnée à tes enfants, à ces musiciens, à ces choristes, à tous ceux, à toutes celles qui ont contribué à l'exécution de ce concert. Que ton nom soit glorifié, exalté d'éternité en éternité. Merci Seigneur pour les différentes méditations. Merci pour ta parole qui a été proclamée à travers l'instrument musical. Merci pour les exhortations à nous adresser. Et merci pour l'espérance de la vie éternelle que nous avons grâce au sang expiatoire de ton Fils Jésus-Christ. Merci pour son ministère sacerdotal. Merci pour sa mort sur la croix. Et merci pour son retour. Que ton nom soit béni, loué, exalté d'éternité en éternité. Seigneur, nous te remercions. Nous t'aimons parce que tu es grand. Nous t'aimons parce que tu es notre Père. Un Père qui se soucie de nous. Un Père qui nous nourrit par sa parole. Qui nous soutient par ses bras forts et puissants. Et surtout qui nous donne l'espérance de la vie éternelle. Seigneur, un jour, nous soupirons après ce jour. Où nous cesserons de chanter par la foi. Où nous verrons Christ, notre Sauveur bien-aimé. Seigneur, nous soupirons après ce jour. Nous serons à Jérusalem, la cité de Dieu. Où il n'y a plus de pleurs, ni cris, ni douleurs. Mais nous serons rassasiés pour le temps et pour l'éternité. Alors que nous venons d'être témoins de ce concert extraordinaire, alors que nous allons nous retirer devant ta face, l'envoie-nous devant ta face avec l'onction de ta paix et de ta grâce. Et ta bénédiction se répande sur le cœur de Saint-Léonard. Que tu bénisses ton serviteur, le frère Simi, à qui tu as donné un talent extraordinaire. Donne-lui une connaissance encore plus grande, afin qu'il puisse être humble et qu'il te serve, qu'il mette son talent. Bénis tous ceux, toutes celles qui l'ont accompagné tout au long de ce concert spirituel. Bénis ce groupe, bénis tes enfants, les visiteurs qui étaient avec nous, qu'ils puissent sortir devant toi avec l'onction de ta paix et de ta grâce. Encore une fois, étends ta main du haut des cieux et bénis tes enfants, non seulement aujourd'hui, tout au long de la semaine et tout au long de notre existence terrestre, et que tes bénédictions nous accompagnent jusqu'au paradis céleste. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. We're marching.